Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à ce bel ange. L'ange numéro 71. He et elle. L'ange He et elle accorde à ses protégés une lucidité pénétrante. Il leur permet de tout voir clairement et rapidement, le bien et le mal sans se tromper. Discernement clair entre la vérité et l'erreur. Les protégés de cet ange gardien seront des êtres intelligents, actifs, engagés, qui régleront leur vie vers un dégagement, une libération de tout ce qui est oppression, conditionnement, servitude. Les tendances perverses, les passions négatives n'existeront pas chez ces personnes ou pourront être réduites par l'invocation de He et elle. Si vous faites face à une difficulté, vous pouvez invoquer He et elle pour avoir le courage de l'affronter. Il éloigne les tyrans et vous permet de vous élever en trouvant le meilleur chemin. Cette force permet aussi de retrouver la forme si vous vous sentez déprimé ou stressé. La bravoure qu'offre cet ange gardien peut être utilisée si vous devez imposer votre leadership au travail, par exemple. Invoquer He et elle est donc judicieux si vous voulez avoir plus de courage en général. Prière à l'ange He et elle. Ange He et elle, fais que ma nature émotive s'intègre harmonieusement à mon corps mental. Ne laisse s'ancrer, s'enraciner en moi, dans aucun recoin de mon être, rien qui appartienne au passé. Fais que mon cœur comprenne les raisons de ma tête, afin que je puisse être libre et protégé de toute violence. L'esprit empli de noirceur, me voilà me tournant vers toi. Je te demande d'opérer la justice divine, de m'apporter le courage et le discernement. Aide-moi à sortir de ma zone de confort, à oser aller de l'avant dans l'amour et la bienveillance vers la lumière. Permets-moi la réussite et l'abondance, s'il en plaît au royaume des anges. Merci et reçois tout mon amour et ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.
Thank you.